je travaille seulement dans mon village, j'accompagne seulement un certain nombre de producteurs, mais pas de cette modèle. Mais grâce au paillage SP, j'ai pu m'organiser dans mon travail. Et nous avons reçu des appuis techniques et financiers, comme l'élaboration des plans d'affaires, les financements et tout ça. Donc, c'est grâce au paillage SP que j'ai pu avoir le contrat avec l'usine qui est la NSCPA. Déjà, le marché est garanti. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des projets. Je suis en train de faire des choses. J'étais commerçant de pagne à Lomé et je me suis converti en entrepreneur agricole dans la filière maïs auquel j'ai associé quelques petites activités plus l'élevage. J'ai toujours rêvé de faire l'agriculture. Malgré que je gagnais l'argent dans le commerce de pagne à Lomé, la terre me faisait appel. Ma production est passée de 3 hectares à 11 hectares. On nous a octroyé le crédit qui nous a permis de payer les engrais et de payer la main-d'œuvre. Nous voudrions humblement remercier les différents partenaires de ce projet Paris SP, et notamment la Banque africaine de développement qui a cru à ce projet et qui a fait confiance à la jeunesse qui a donné priorité à l'emploi dans le secteur agricole. Non seulement le paillage nous a aidés à travers une mise en relation avec les institutions financières de la place à lever des crédits sous la caution de la Banque africaine de développement et du gouvernement, à lever donc des crédits pour s'acheter de nouveaux équipements, mais également à acheter de la matière première à stocker pour pouvoir travailler toute l'année. Je profite de cette occasion pour remercier la Banque africaine de développement qui a appuyé le gouvernement togolais dans la mise en place du paillage SP avec cette approche de chaîne de valeur aujourd'hui qui nous donne de la visibilité partout, surtout sur la filière soja que le paillage SP a pris.